passer tout de suite à l'appel des concurrents. Alors, Monsieur Calvel. Oui. Nobré. Ninou. Bakovic. Pas dit que je m'y attendais, mais ça a été un petit peu calculé vers la fin. Depuis ce matin, j'avais pas les pneus adéquats parce qu'il pleuvait. Et puis, sur les deux dernières montées, le temps s'est amélioré, il a commencé à faire beau, et puis on a pu faire le bon choix de pneus, et puis à la fin, ça a fait. J'avais des retaillés déjà sur les deux montées classement. Et sur la dernière montée classement, j'ai mis les gommes qu'il fallait vraiment. Et comme j'avais déjà le tracé et savoir où il fallait gommer pour récupérer du temps, donc ça a payé. Ce matin, c'est fait plaisir. C'était ça que cet après-midi, c'est fait plaisir. Il y a eu des plus rapides que nous. C'est bien. Ça fait quand même évoluer, ça fait quand même faire le sport, notre discipline, prendre quand même de l'adrénaline, en tout cas pour les spectateurs, les fans. Et puis le suspense, il a été jusqu'au bout. Je pense qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de concurrents ou que les concurrents puissent faire le même spectacle à chaque manifestation. Franchement, j'ai kiffé cette journée, c'était bien. Il y avait la part de stress, bien sûr, mais on était cool. On était à la bataille. C'est ce qu'on demande à chaque fois. Qui est de la bataille, de la bagarre? Puis bon, ben, tant mieux. Hein. Je ne peux pas dire que je me suis fait plaisir. Quand je te laisse battre sur la dernière montée comme ça, bon, malheureusement, bon, on a un petit souci de pompe de direction. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui va se résoudre d'ici quelques temps. Je pense très peu de temps parce qu'on l'a commandé déjà. Mais ça fait un petit peu mal de perdre la première place quand même. Parce que depuis ce matin, quand même, on est en tête de la compétition. Je pensais vraiment gagner. Redoubler comme on dit, on avait gagné l'année dernière, on le redoubler encore cette année. Yeah.
Ce qui s'est passé, je ne sais pas, le moteur il a cassé et lui il a dû tomber sous l'échappement et ça a pris feu, quoi, voilà. Donc les bielles ont traversé le moteur, donc je pense que c'est très compromis de manière pour le reste de la saison. Cette journée, ça a été fatigant entre la pluie, le soleil, les conditions. Ce matin, il pleuvait, donc c'était des conditions sous l'eau. Et cet après-midi, ça a séché. On a pu améliorer les temps et ça fait un très très plaisir. J'ai pas passé le pic, les slicks. Je suis resté en mixte toute la journée, puisque je pense pas que les slicks auraient changé quoi que ce soit. Peut-être à la dernière, mais j'ai décidé de laisser le mixte. On a eu un petit peu tout, c'est vraiment sympa. La voiture a bien marché. Bon, j'ai eu quelques petites alertes au niveau moteur, mais bon, pas de soucis. Je pense que c'est juste un problème de jauge. Enfin, c'est pas très méchant. Belle course, très content de cette reprise. Bon, parce que j'avais pas roulé depuis les grands fonds, et on attend vite, rapidement la prochaine. Du plus au charme encore aux mamelles, beaucoup de difficultés, beaucoup de plaisir aussi. Je n'ai pas l'expérience pour pouvoir gérer tout ça. J'ai essayé de faire au mieux. Il y a eu un grand Jean-Pierre Villemain, je suis content de ma défaite. Très humide aujourd'hui et apparemment on a essayé de faire le maximum pour pouvoir terminer la journée de la course. J'étais un pneu slick parce que j'avais pas de pneu de pluie, donc j'ai pris des risques et voilà. Bon, aujourd'hui on s'est bien amusé. L'impression était très super, la course a été au top, au sonome, ça a été perfecto, sauf qu'il y a eu un peu de pluie, mais sinon, à part ça, ça a été. Et vous supportiez qui? À votre avis, Pradel!